y avait toujours en moi le désir spirituel. Dans la vie liturgique, la vie spirituelle, la vie apostolique de l'Église orthodoxe, je me suis senti vraiment chez moi. J'ai donné le maximum de mon existence pour le service de l'autel et le service pastoral, le service auprès des fidèles. Ça, je n'ai jamais regretté cet engagement depuis maintenant beaucoup d'années. Je suis né à Bordeaux en 1942. Et j'ai fait toute ma jeunesse à Bordeaux. J'ai fréquenté beaucoup l'église catholique, puisque ma famille était catholique, mais pas très, très pratiquante. Vous savez, c'était grâce à un ami dominicain, j'ai rencontré l'église orthodoxe. Dans cette petite paroisse de Bordeaux, qui était une petite église fréquentée par une poignée d'orthodoxes qui vivait dans les environs de Bordeaux. Et après une année, presque deux années de fréquentation, j'étais reçu dans l'église orthodoxe par le père Jacques, qui était un Espagnol, et qui m'a conduit vraiment vers l'orthodoxie. Je me suis posé la question de la vie monastique, et j'ai entendu parler qu'il y avait un monastère en Angleterre, c'était assez nouveau, et c'était le monastère du Père Sophroni en Essex. Et j'ai écrit, et le Père Sophroni m'a invité à venir. Et ça a très bien marché, et il m'a pris comme postulant. Et là, j'ai passé ces deux années merveilleuses avec le Père Sophroni, et c'est son enseignement. Cet homme était vraiment un homme vraiment de Dieu, et il avait une manière de nous former, de nous apprendre à vivre dans la liberté, à vivre libre. Et il nous disait toujours, je veux que vous soyez des hommes libres. Voilà, que vous ayez vous épanouissiez dans la liberté. Il nous taquinait beaucoup. Un jour, il nous dit, « Ah, vous savez, demain, il va y avoir un prêtre anglican qui va venir et nous devons manger à l'anglaise. Et il y aura des petits pois et il faudra que vous mangiez les petits pois à l'anglaise, c'est-à-dire que vous rabattiez les petits pois sur votre fourchette. » Et alors, nous avons fait des essais avec lui pour que manger les petits pois sur la fourchette. C'était un peu une catastrophe, mais enfin, on a essayé, tant bien que mal, on a reçu ce prêtre anglican et on a mangé les petits pois comme ça. Voilà, Père Sophroni était un artiste, vous savez. D'ailleurs, c'était un grand iconographe. C'était un artiste. Il avait l'âme d'un artiste, puisqu'il a été artiste peintre ici à Paris au début de sa jeunesse. Tout n'était pas rose, hein. Il y avait des difficultés. On vivait pauvrement, c'était vraiment, il faisait froid, enfin c'était compliqué. Mais c'était un moment de ma vie qui m'a beaucoup beaucoup apporté et beaucoup marqué. J'avais un permis de séjour de deux années. Et la veille de l'échéance du permis de séjour, deux policiers sont venus, je me rappelle toujours, sont venus au monastère pour signifier que je devais partir. Je suis donc parti par cette obligation civile, si vous voulez, n'est-ce pas ? Je n'avais plus le droit de résider en Angleterre. Et j'avais une lettre de recommandation de Père Sophroni pour m'inscrire à l'Institut de théologie Saint-Serge. C'était assez impressionnant de rentrer dans ce monde-là un peu fermé de la 93 rue de Crimée, avec cette montée, cette vision de l'église, ces quelques bâtiments. C'était tout à fait différent d'aujourd'hui. Il y avait des petites maisons, c'était
un joli jardin. C'était une ambiance très spéciale. Très spéciale, oui, oui. Fondé en 1925 par un groupe de professeurs venant de Russie, l'Institut Saint-Serge a joué un rôle important à la fois dans le service de l'Église orthodoxe en situation de diaspora et dans le domaine œcuménique du rapprochement des églises. L'Institut a formé des théologiens, des prêtres et des évêques qui œuvrent aujourd'hui sur tous les continents. Grâce à une solidarité chrétienne mondiale, l'Institut a pu construire un nouveau bâtiment qui abrite les étudiants et satisfait à tous leurs besoins. Donc quand j'étais étudiant ici, j'ai eu la chance de suivre les cours avec de grands maîtres, n'est-ce pas, nos maîtres. L'ambiance ici à Saint-Serge était à la fois, comment dire, stimulante, et c'était une vie difficile. Nous vivions en dortoir, nous avions un réfectoire, nous avions les offices religieux le matin et le soir, et les liturgies dominicales, les festives. C'était une vie communautaire, c'était assez rude. Mais le contexte était quand même très positif, et ça m'a beaucoup marqué. Je dis toujours qu'il y a deux endroits qui m'ont marqué et deux personnes qui m'ont marqué dans la vie. C'est le monastère de Saint-Jean-Baptiste avec le père Sophronios et le père Alexis Kniaziev ici à l'Institut Saint-Serge. Pour moi, ça a été les deux maîtres, l'un au niveau spirituel, l'autre au niveau théologique et pastoral, parce que le père Alexis Kniaziev était un excellent pasteur et un homme de cœur, un homme qui aimait vraiment le sacerdoce. C'était pas un fonctionnaire, c'était vraiment quelqu'un, une belle âme qui se donnait à fond pour le service liturgique, pastoral de cette communauté, et qui était en même temps un père pour nous dans le cadre de l'Institut, et qui plaisantait assez facilement, qui était joyeuse. Et ce sont des années qui m'ont beaucoup marqué, et j'ai toujours eu un sentiment profond vis-à-vis de cette colline. Au cours de ces études, j'ai eu à un moment peut-être un peu de flottement. J'ai passé une période érémitique. Je suis parti dans les Pyrénées orientales et j'ai fait un séjour de 6-7 mois dans les Pyrénées, dans un petit monastère féminin, catholique, qui m'avait accueilli, et en compensation de la nourriture, je travaillais, j'abattais des arbres, n'est-ce pas, je te faisais pour le chauffage, pour la cuisine et tout ça. C'était une belle période. Et j'allais régulièrement à la liturgie à Montauban, chez le père Léonide Kroll. Et le père Léonide Kroll était vraiment un homme d'une grande sagesse et d'une grande spiritualité. C'était un homme qui célébrait la liturgie pratiquement tous les jours et qui s'occupait de la paroisse de Toulouse et de la paroisse de Montauban, où il était comme un héros, n'est-ce pas, de la ville de Montauban, puisqu'il avait détourné une colonne allemande qui voulait envahir la ville de Montauban, et il avait réussi à détourner cette colonne militaire. Et là, après de nombreuses discussions avec le père Léonide, il m'a convaincu de retourner à l'Institut et de m'engager dans la vie de l'Église. Et je suis revenu donc à l'Institut, j'ai repris ma place comme étudiant, et c'est à ce moment-là que j'ai été contacté, 2 ans après, pour voir si j'accepterais de m'engager dans les émissions orthodoxie, et qui venaient de commencer en 1965. Donc. Et j'ai été contacté à l'époque par M. Gabriel Matzneff, qui était le responsable avec Mme Struve. Ces émissions ont été fondées par animées par le père Pierre Struve, et ont été fondées en même temps que les émissions chrétiens orientaux,
Et c'est le professeur Constantin Andronikov, qui à l'époque avait une place un peu particulière dans le gouvernement français, qui a permis la séparation et vraiment la structuration de l'émission orthodoxie d'une manière propre, n'est-ce pas, et indépendante des chrétiens orientaux. Louez le nom du Seigneur. Notre émission d'aujourd'hui se passe à Nice. Nous nous trouvons dans les jardins de la cathédrale orthodoxe russe Saint-Nicolas et j'ai à mes côtés Madame Gaët. Madame Gaët, vous qui êtes une paroissienne très active de la cathédrale, pourriez-vous nous parler de la vie de votre paroisse ? Eh bien, la paroisse de Nice est très importante et d'ailleurs, elle ne se limite pas à la ville de Nice car nous avons des paroissiens aux alentours et même de Menton à Antibes, peut-être même au-delà d'Antibes. Et nos prêtres sont d'ailleurs des prêtres volants, ils sont souvent appelés à se déplacer. Et de ce fait, l'activité de la paroisse est fort importante. Et puis, en 1974, on m'a confié les rênes, n'est-ce pas, des émissions orthodoxies. Et j'ai commencé mon travail. Là, j'étais ordonné diacre un peu avant et prêtre au milieu de l'année 74. Et j'ai commencé cette mission donc qui m'avait été confiée à la fois par le métropolite Meletios à l'époque et l'archevêque Georges Tarasov de prendre la production des émissions orthodoxies. Et j'ai fait cela pendant 13 années. La première émission que j'ai faite en collaboration avec Gabriel Matzneff, c'était dans une maison de retraite grecque dans la banlieue parisienne. Et c'était sur le thème était vieillir en église, n'est-ce pas ? Et nous étions accompagnés par l'archimandrite Stéphanos, qui maintenant est le métropolite d'Estonie. Et nous avons tous les trois, n'est-ce pas, fait cette émission avec de beaux portraits de vieillards et nous avons suivi un peu leur vie quotidienne, comme ça, n'est-ce pas. Et nous étions aperçus que, par exemple, les repas, c'était vraiment des moments très, très importants qu'il fallait absolument... et où tout le monde venait bien avant l'heure. C'était impressionnant de voir tous ces hommes et ces femmes vieillissant, mais avec un beau regard, avec une, il y avait de la beauté d'âme, n'est-ce pas, dans cette vieillesse. Je n'aime pas les vieillards. Je suis vieille, mais je ne les aime pas. Est-ce que vous avez des difficultés avec les autres ou des choses comme cela ? Avec quoi ? Avec les autres. Quand vous vivez en communauté, est-ce que vous avez des difficultés ? Fermez le livre. À l'époque, c'était donc TF1. Et nous travaillions avec la SFP, la Société Française de Production, qui n'était pas très loin de Saint-Serge, qui était en haut des Buttes-Chaumont. Et nos équipes venaient de là. Et les émissions étaient, à l'époque, c'était très lourd. Le matériel, l'installation, tout ça. Mais il y avait quand même une très bonne ambiance dans les équipes. C'était très sympathique. Je me rappelle qu'on faisait des tournages ici même, à Saint-Serge. Nous en avons fait pas mal, dans différentes églises à Paris, dans différents lieux. Et toujours, l'anecdote que j'ai toujours dans la tête, c'est qu'à l'arrivée de l'équipe, tout le monde disait « à quelle heure on mange ?» Voilà, c'est tout. C'était la tradition de savoir où il y avait un restaurant et où on allait manger. Et puis après, on se mettait au boulot. Et c'était vraiment, il y avait une très bonne ambiance, j'aimais beaucoup. Donc j'ai fait j'étais comme producteur, j'avais un réalisateur, plusieurs réalisateurs qui étaient mis à notre service par la SFP.
Et nous travaillons comme ça de concert. Moi, j'amenais les idées, je cherchais les personnes. Et là, j'ai pu interviewer vraiment beaucoup de monde, n'est-ce pas, qui étaient vraiment des grandes figures de l'orthodoxie. J'ai interviewé le père Schmemann, le père Meyendorf, le père Boris Bobrinskoy, le père Lev Gillet, le père Elie Melia, enfin, toute une... Constantin Andronikov, évidemment, qui était un théologien bien connu, et tout un florilège comme ça de personnes. J'ai pu aussi avoir des chœurs, par exemple le chœur de la cathédrale, Saint-Alexandre Nevski. J'avais tout le soutien, toujours, on faisait le message pascal avec le métropolite Meletios, qui était vraiment notre... qui tenait beaucoup à ça. Et j'ai fait beaucoup d'émissions aussi dans le cadre de la métropole grecque. Je suis descendu dans le sud, à Salins de Giraud, à Marseille. Enfin, on a fait beaucoup de choses. Même jusqu'à Constantinople. Une fois, j'ai demandé d'aller à Constantinople, mais là, c'était un peu le refus. Et on m'a dit, on vous donne un photographe et vous pouvez aller à Istanbul. Et vous et un photographe, et vous faites votre émission avec des photos. Mais on avait réussi à faire une belle émission avec des photos. C'était passionnant. C'était des moments comme ça qui restent un peu dans la mémoire. Le patriarcat œcuménique de Constantinople siège dans le quartier très pauvre du Fanar, au bord de la Corne d'Or, à Istanbul. Voici la demeure du patriarche Dimitrios Ier et cet ensemble de bâtiments avec l'église Saint-Georges que l'on appelle le Fanar. Voici l'intérieur de l'église Saint-Georges, le trône patriarcal, l'autel avec encore le trône patriarcal au fond. La totalité de ma présence à la télévision, ça a été 13 années. Et au cours de ces 13 années, il m'a été demandé par Olivier Clément si je serais disponible d'aller à Genève pour desservir une nouvelle paroisse de langue française qui avait été créée dans le cadre du centre orthodoxe du patriarcat de Constantinople. Et j'ai commencé un peu à voyager entre Paris et Genève tout en continuant le travail des émissions. Et ce n'est qu'en 1985 que j'ai arrêté la télévision et je me suis fixé à Genève. C'était le centre du patriarcat œcuménique. Il venait d'être construit et inauguré en 1975. Et ma mission à moi était d'organiser la vie liturgique, spirituelle, pratique de cette communauté nouvelle, naissante, avec des orthodoxes qui venaient un peu de partout, différentes origines, n'est-ce pas ? Russes, bulgares, quelques grecs, tout ça. C'était à peu près une soixantaine de personnes. Et nous avons travaillé tous ensemble et créé vraiment une très très belle paroisse qui existe jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il y a un prêtre qui m'a succédé lorsqu'on m'a demandé on m'a plutôt réorienté en m'envoyant ici à Paris. En février 2015, nous recevons un fax du Fanar, donc du patriarcat de Constantinople, comme quoi je venais d'être élu évêque auxiliaire du patriarche œcuménique et que je devais accomplir ce service
à Paris. Et j'étais très, 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 très étonné de cette élection. Et j'ai dû aller au Fanard. Et là, le patriarche m'a dit, voilà, nous vous avons élu pour que vous soyez notre évêque vicaire auprès de l'archevêque Job de Telmessos, qui était ici l'archevêque en titre de l'archevêché et le recteur de, la, de cette cathédrale. C'était pour moi une nouvelle aventure. Et à la fin 2015, est arrivée la nouvelle que Mgr Job était déplacé à Genève et moi je devenais locum tenens de l'archevêché. Ça, c'était aussi une surprise, parce que c'était... Et alors, il a fallu préparer l'élection, et le patriarche m'a dit, c'est vous qui devez vous présenter, voilà. C'était une obligation. Et donc, je me suis présenté, j'ai été élu, et a commencé une nouvelle vie. Axios, il est digne. Gloire à toi, Dieu, notre bienfaiteur, pour les siècles des siècles. En novembre 2018, je suis à Constantinople avec beaucoup de dossiers difficiles, des réductions à l'état laïque, enfin tout ça, des dossiers difficiles pour des prêtres, des diacres, tout ça. Et à 9h20 du matin, j'apprends par la bouche du patriarche que notre archevêché va être dissous. Je suis très très choqué et j'ai la confirmation quelques instants après par le métropolite Emmanuel de France que la décision a été prise de supprimer l'archevêché. J'étais avec le secrétaire de l'archevêché à l'époque, qui était M. Nicolas Lopoukine, et nous sommes restés un peu terrassés, n'est-ce pas, pendant 2 jours, et nous sommes revenus à Paris. Et là a commencé tout un travail juridique, parce que on ne pouvait pas se débarrasser de l'archevêché comme ça. Il fallait passer par l'ordre des statuts. Et c'est nous qui devions nous dissoudre. Et alors nous avons fait des réunions, des assemblées, tout ça. Et personne ne voulait la dissolution de l'archevêché. Et nous avons pendant une année discuté, rediscuté avec le patriarcat qui a été intraitable, qui ne voulait pas revenir en arrière. Nous avons envoyé 2 fois des délégations. Nous avons fait un sondage auprès de plusieurs églises locales. Et à la fin, la solution qui nous paraissait, qui me paraissait la meilleure, c'était la solution de revenir à l'église mère qui avait créé l'archevêché, c'est-à-dire l'église de Russie. Et nous avions un texte du métropolitologe, qui est le fondateur de cet archevêché, qui en 1931 disait « Un temps viendra où l'archevêché reviendra dans l'église mère ». Et je me suis servi de ce texte pour amener tout le monde à prendre une décision dans ce sens-là. Nous avons été en dialogue avec le patriarcat de Moscou, nous avons fait plusieurs réunions ici à Paris, à Vienne, à Moscou, et nous avons élaboré avec le patriarcat une nouvelle charte
une nouvelle grammata, n'est-ce pas, une nouvelle charte, qui gardait la liberté et la spécificité de l'archevêché et qui allait donner de la vie, puisque on pouvait de nouveau avoir des évêques vicaires, ce que le patriarcat de Constantinople ne voulait pas. Et nous avons pu ainsi, en novembre 2019, au cours d'une célébration magnifique à Moscou, reçu cette grammata et qui faisait de nous un archevêché avec une grande autonomie. À Moscou, nous étions très nombreux, nous étions une délégation de 100 personnes à Moscou. Et la liturgie a été très, 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 très belle. Et au cours de la liturgie, il est arrivé une chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout. C'est que j'ai été empoigné par deux prêtres qui m'ont amené devant le patriarche. Et le patriarche m'a coiffé d'un clobouk blanc de métropolite. Et il rétablissait ainsi une situation antérieure où il y avait le métropolite Loge, le métropolite Vladimir, et qui étaient de grands et sages évêques. Et moi-même, j'étais un peu interloqué, pour vous dire la vérité, je ne m'attendais pas du tout à ça, j'étais archevêque déjà. Bon, et là, j'ai reçu ce clobouk blanc. Ce que j'aimerais dire à toute notre congrégation orthodoxe, c'est que nous manquons à l'heure actuelle de prêtres et de personnes qui s'engagent. Aujourd'hui, l'engagement est devenu quelque chose de... C'est pas une valeur qu'on recherche, n'est-ce pas? Et pourtant, on a besoin pour la vie, la vitalité de l'Église, on a besoin de personnes qui s'engagent à tous les niveaux de nos paroisses, n'est-ce pas, pour aider les prêtres, pour chanter, pour et aussi d'envisager la voie du diaconat, la voie du sacerdoce, et pour être au service de nos communautés. C'est sûr que dans notre archevêché, qui porte cette grande tradition de l'Église russe, il y a eu un élan extraordinaire au moment de la révolution russe. Après, il y a eu un grand élan avec l'Institut Saint-Serge. Mais maintenant, c'est un moment un peu de creux dans lequel nous sommes, n'est-ce pas? Et nous manquons de prêtres formés qui veulent vraiment s'investir. Je sais que la vie de nos prêtres est difficile, mais c'est une vie aussi très belle. C'est un engagement pour le Seigneur et je crois que ça vaut la peine. C'est l'appel que je lance toujours ici à la cathédrale et dans les réunions. Engagez-vous, venez au service du Christ. Il prit un pain dans ses mains saintes, pures et immaculées, rendit grâce, le bénit, le sanctifia, le rompit. Puis il le donna à ses saints disciples et apôtres en disant: